Salut les potes, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une toute nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer deux façons pour bien entraîner vos joueurs dans le jeu FIFA Mobile. Vous allez voir aussi comment faire monter l'équipe en jeune rapidement et facilement. Avant que cette vidéo débute, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un max à deux likes. Une vue est égale à un like, c'est super important pour le développement de la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti, premièrement, je vais vous montrer comment entraîner ou améliorer un joueur en utilisant seulement des joueurs que vous n'utilisez plus. Tout d'abord, je dois rentrer dans mon équipe. Dans ce tuto, je vais entraîner ces deux joueurs-là, justement pour vous montrer. Ok, je vais entraîner le Vinicius. Étant donné Vinicius joue arrière-gauche, alors je dois avoir des joueurs qui joue arrière gauche pour pouvoir entraîner le Vinicius. Je vais voir si j'ai assez de joueurs pour améliorer Vinicius. Faites gaffe les gars, faut pas utiliser le joueur titulaire ou remplaçant. Comme j'ai pas assez de joueurs pour entraîner Vinicius, alors je vais acheter quelques joueurs dans le marché des transferts. Ne vous en faites pas les potes, je vais vous montrer comment trouver des joueurs moins chers. Et maintenant je rentre dans le marché des transferts. Et je clique sur chercher en haut et dans notre général mine 70 et je vais mettre 90 pour max. C'est important, faut choisir le poste du joueur. Comme Vinicius joue arrière gauche, j'ai besoin de joueurs qui jouent arrière gauche pour entraîner le Vinicius. Ok, c'est bon, je clique sur chercher. Ok, je vais acheter plusieurs sons. Il joue arrière gauche, alors je peux l'utiliser pour améliorer Vinicius. Et si je veux, je peux acheter d'autres Vinicius à moins de 90 gènes pour entraîner le Vinicius à 112 gènes. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, j'appuie sur chercher dans nom de joueur. J'écris Vinicius, note générale mine 70 et 90 pour max. Ensuite, j'appuie sur chercher en bas. Ok, par exemple, je vais acheter plusieurs Vinicius à 86. Ça va me coûter un peu de crédit. Je vais vite faire ça. Ok, je vais faire ça très vite, les gars. Ok, j'ai acheté pas mal de joueurs, ça m'a coûté un peu de crédit. Maintenant, je vais vite récupérer le joueur dans mes commandes. J'appuie sur récupérer tous les joueurs. Et je sors d'ici dans mon équipe. Du coup, je clique sur Vinicius, puis entraîner. Je vais utiliser ces joueurs pour augmenter le niveau du joueur Vinicius. Par exemple, il est passé à niveau 5. Maintenant, je vais utiliser un élément de rang. Il va monter en gêne. Maintenant, j'appuie sur progression. Voilà, il monte à 113 gènes. À niveau 10, il va monter à 104 gènes. Je vais utiliser quelques joueurs pour mettre son niveau à 10. Une fois ça dit, XP max atteint, il faut appuyer sur entraîner. Voilà, niveau 10. Maintenant, je vais utiliser un élément rang pour lui faire monter à 114 gènes. En fait, ça va me coûter un peu de crédit. Déjà 114 gènes, je vais utiliser les autres joueurs pour lui faire monter à level 15. Mais les amis, faut avoir un peu de crédit pour faire ça. J'ai déjà fait des vidéos sur le jeu justement pour vous montrer comment gagner des millions facilement dans le jeu. Ben, vous pouvez les regarder après. Et je fais souvent des tutos sur le jeu FIFA Mobile. Là, il va monter à 115 gènes. Et l'autre façon que je vais vous montrer pour entraîner vos joueurs, vous n'avez pas besoin d'acheter de joueurs pour faire ça. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez voir aussi une technique pour faire monter votre équipe en gène rapidement et facilement dans le jeu. Level 20, donc je vais utiliser un élément rang pour lui faire monter à 116 gènes. Au début, il était à 112 gènes, maintenant il monte à 116 gènes, c'est plutôt cool. Je peux même lui faire monter à plus de 116 gènes.
C'est ultra important, les amis. Il faut améliorer vos joueurs en utilisant les primes techniques aussi. Je rentre dans les primes techniques. Je vais améliorer Vinicius pour vous montrer. Par exemple, je vais améliorer ce Vinicius-là. Ça va permettre de jouer encore plus performant sur les terrains. Je vais tout simplement dépenser un peu de crédit pour faire ça. Et deuxième façon pour entraîner un joueur dans le jeu, par exemple, je vais entraîner ce joueur-là, Rashford, pour vous montrer. Étant donné, j'ai des joueurs qui ne sont pas titulaires ni remplaçants dans mon équipe, et ces joueurs sont déjà entraînés ou améliorés dans le jeu. Alors, je vais transférer le niveau d'entraînement à l'un de ces joueurs sur Rashford. Bien, pour faire ça, je dois aller dans mes joueurs pour voir s'il n'y a pas un joueur déjà entraîné et qui n'est pas titulaire ni remplaçant de l'équipe. Par exemple, en ce joueur-là, Camara, je vais transférer son niveau d'entraînement sur Rashford. Une fois arrivé ici, j'appuie sur transférer niveau d'entraînement. Maintenant, je vais choisir Rashford. Le jeu est bloqué et j'appuie dessus pour le débloquer. Voilà, j'appuie à nouveau sur Rashford. Ensuite, je clique sur transfert et ça va faire monter Rashford en gêne. Si vous voyez, il est à 114 gènes, maintenant il monte à 118 gènes. C'est trop cool les potes, si je veux, je peux utiliser deux joueurs pour lui faire monter à plus de 118 gènes. Maintenant, je vais améliorer le joueur en utilisant des primes techniques. Donc, je rentre à nouveau dans les primes techniques. Dans agilité, le joueur va avoir une grande agilité d'esprit sur le terrain. Autrement dit, le joueur, il sera plus intelligent sur le terrain. Mais le truc, hein, faut avoir un peu de crédit pour améliorer un joueur dans les primes techniques. Ok, c'est bon, je sors d'ici. Si vous voyez, mon équipe, hein, monte gravement en gêne. Ça monte à 121 gènes maintenant. Et c'est important, si vous voulez que votre équipe monte en gêne rapidement, il faut améliorer vos joueurs dans les primes techniques. Vérifiez les primes techniques, hein, justement pour voir s'il n'y a pas de joueurs à améliorer dedans. En fait, hein, ça va permettre l'équipe monte en gêne et vous allez voir ça. Là, je vais vite améliorer quelques joueurs pour vous montrer. Et n'oubliez pas les potes, hein, si vous voulez jouer avec moi dans ce jeu, n'hésitez pas à rejoindre dans mon Discord FIFA Mobile. Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà pourquoi il est important d'améliorer de joueurs dans les primes techniques. Les potes, comme ça, on peut améliorer des joueurs dans le jeu FIFA Mobile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo. Ben, on va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo.